بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous voyez, on va parler aujourd'hui de la production écrite. Donc la vidéo destinée aux élèves de la troisième année moyenne. Vous m'avez trop demandé d'en parler, de parler de la production écrite. Comment peut-on faire une production écrite? Alors, اليوم حنتكلموا على الوضعية الإدماجية للسنة الثالثة متوسط. Le thème, ou bien la production, c'est faire, bien rédiger un texte, bien un récit historique. Nous avons déjà parlé du projet 2, ou bien du programme du projet 2. عطيتلكم يعني ملخص, un résumé. Alors, en bref, nous avons ici la consigne et nous avons le tableau. En t'aidant du tableau donné ci-dessous, rédige un paragraphe dans lequel tu racontes les moments de joie qui ont eu lieu le jour de l'indépendance. Alors, dans votre paragraphe, dans notre paragraphe, on va parler des moments de joie le jour de l'indépendance. Ça veut dire les célébrations de l'indépendance ou bien l'indépendance ou l'istiqlal. Nous avons un banc de mots, un tableau, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Qui, les Algériens, hommes et femmes. Quoi, sortir, manifester, chanter, danser, crier. Ou dans les rues, sur les terrasses, partout en Algérie. Quand, le 5 juillet 1962. Comment, joyeusement, dans la joie et le bonheur, drapeau flottant ou vent. Pourquoi, fêter la célébration de leur pillée. Donc, j'ai ici des groupes nominaux, des verbes, des indicateurs de lieu, un ou des indicateurs de temps, des adverbes. J'ai ici même pourquoi, ça veut dire les raisons, les causes, pourquoi nous avons fait cet événement, pourquoi nous avons fait des actions. Donc, je vais employer ces verbes. Avec des sujets, des groupes nominaux, pour former des phrases. Donc, maintenant, من هذا الطابلو, راح نستعمل, je vais former, راح نكون جمل, اللي نصنع بهم un paragraphe. نبدأ directement. راكم عارفين le récit historique. Pour raconter des événements, je dois employer les temps du récit. Bon, il y a bien des événements historiques, ce qui manque, c'est bien le temps de conjugaison, il n'est pas mentionné ici. On a fait le récit historique. Dans un récit historique, on emploie, on utilise les temps du récit. L'imparfait, le passé simple et le plus que parfait. L'imparfait pour les actions longues, le passé simple pour les actions brèves ou bien courtes, est successive, le plus que parfait, dirou ki kon anna ma'a l'imparfait. Donc, on a deux actions. Les deux sont passées, les deux sont faites au passé. Mais l'une est faite avant l'autre. Donc, la première, dirou au passé, au plus que parfait, ou li ba'daha, dirou ha à l'imparfait. La première des choses à faire lorsqu'on vient de rédiger un paragraphe, c'est bien le titre. on n'écrit jamais un texte sans titre. Le thème, c'est quoi? Andna, le 5 juillet 1962. Alors, on peut dire ça dans le titre. Haïlik. Le 5 juillet 1962. On peut dire ça. Le 5 juillet 1962, c'était quoi?
l'indépendance. Anna mach l'indépendance de l'Algérie. Mais dans le paragraphe, dans la production écrite, je ne vais pas parler uniquement de l'indépendance, mais beaucoup plus de la célébration, yani l'ihtifal. Donc, célébration. De l'indépendance de l'Algérie. Je peux mettre encore fête de l'indépendance. De l'Algérie. Je peux mettre encore la libération de l'Algérie. De l'Algérie. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel titre à condition qu'il soit en relation avec le thème ou bien le texte. Alors, si bon, nous avons déjà donné un titre, on commence notre paragraphe. Et c'est la chose peut-être la plus difficile. Ouais, le fait de commencer, si bon, les idées viennent, le paragraphe se fait. Mais la chose la plus difficile, c'est commencer. Donc, le paragraphe interne. On a le titre. Le titre, j'ai donné le thème, d'accord? J'ai donné le thème dans le texte, dans le titre, pardon. Hnaya, je vais commencer encore par le thème du texte. Nibda nitkellem ala l'mawdou' nta' an-nass nta'i. Wesh huwa l'mawdou'? Ana soi-disant dit hada. Ou n'importe quel titre, tous les titres ici sont corrects. Alors, nibda, l'indépendance. Ou toujours, lorsque je commence mon paragraphe, j'ai donné le titre de préférence. Je saute une ligne. Je laisse la ligne avec le fer à l'abîme. Je commence ma phrase par une majuscule. L'indépendance de l'Algérie. L'indépendance de l'Algérie. C'est le thème. Alors, chauffe-vous. Peut-être vous dites, par exemple ici, je n'ai qu'un seul groupe nominal. Ah, c'est du soi-disant de les Algériens, hommes et femmes. Là, j'ai combien de verbes? 1, 2, 3, 4, 5. Comment je vais faire des phrases où on a des 5 verbes et où on a juste deux sujets? Chauffe-vous les Algériens. Soyez un peu intelligent, vous pouvez rédiger des centaines de lignes. Les Algériens, je peux les remplacer par le peuple algérien. Je peux dire les citoyens. Je peux dire les gens. Je peux dire encore tout le monde. Yani, des mots qui ont le même sens que les Algériens. Le peuple algérien. Les citoyens algériens. D'accord? Donc, l'indépendance de l'Algérie, on a le thème. Je vais présenter le thème. En quelque sorte, l'indépendance de l'Algérie. Il a été lieu le 5 juillet 1962. Donc, le 5 juillet 1962. Même où il a déjà le titre, c'est pas grave. Je peux le redire, je peux réemployer la même idée ici. L'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le 5 juillet où il y avait l'indépendance? C'est quoi? C'était bien la grande victoire des Naya, je reviens à la ligne Jahna, des Algériens. La grande victoire des Algériens. Je vais essayer encore nous je donne plus d'informations, je raconte plus. Ou donc une ligne en plus. Alors, des Algériens, have les Algériens la victoire kifash kanet face au colonialisme français. Alors, c'est bon, Naya, Rani Hedartaliha, Zidnou Sahfanik, une victoire. Mni jet la victoire avec. Kifesh Hakoha, yani, wesh kan le mokabel ntaha. Une victoire. Et là, vous voyez, j'ai mis des virgules. Yani, pour que la phrase soit claire et elle soit simple. Et cohérente, yani les phrases économes traptines et enchaînées fimébinatum. Une victoire qui avait coûté 1,5 million de martyrs. Alors, on a toujours fait la présentation du thème. Naya, yani juste dit hadi فقط من le tableau. Ou zidkom haja le tableau, vous pouvez employer ce que nous avons proposé ici, mais taqadru thanik tdouhom kamel, taqadru tdou menhom bark, yani tghayrou, ou taqadru tdirou men عندكم kamel. Vous n'êtes pas obligé de suivre bien de parler de tout ce que nous avons donné ici dans le tableau. Alors, je commence à raconter les manifestations. Qu'est-ce que je dis? Les Algériens, les Algériens, les Algériens, alors je dis, les Algériens et j'utilise un indicateur de lieu. Ah. Dans les rues, sur les terrasses, partout en Algérie. Ana wach qult lkom باش نوسعوا في الفكره يعني فكره واحده نستعملوها في شحال من بلاصه يعني جونريشي مون باراغراف جونريشي ما برودكسيون وثانيك يعني نستغل ولا نربح اسطر زياده. انا او ليو دومبلوي ديريكتومون دون لي ري سور لي تيراس اي بارتو ان الجيري واش راح ندير في بلاصتهم دون توت لي فيل dans toutes les villes tous les villages et partout en Algérie. Dans toutes les villes, tous les villages et partout en Algérie. C'est presque le même sens. En Algérie, dans toute l'Algérie, partout en Algérie. Mais pour enrichir, j'ai dit, ma production, ou une expression en plus, dans toutes les villes, tous les villages, pardon, et partout en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Algériens célébraient à l'imparfait
célébrer AIENT, les Algériens, quoi? Leur indépendance. Leur indépendance. Célébrer leur indépendance. Ils défilent. Ils défilent à I. ENT, la liberté de leur pillé. Encore, presque la même expression, mais avec d'autres mots. Donc, la liberté de leur pays, Naya, j'ai utilisé uniquement l'imparfait de l'indicatif. Naya, je veux ajouter une idée, une phrase, ou bien une phrase, oui, dans laquelle j'emploie le plus que parfait. Donc, défiler la liberté de leur pays, qui ou bien qu'ils avaient réalisé après un siècle, voilà, un siècle et demi de colonialisme. Colonialisme. Voilà. Alors, tout le peuple algérien. Il les Algériens. Je les Algériens parce que j'en ai déjà dit. Donc, à la place des Algériens, qu'est-ce que je dis? Tout le peuple algérien. Je connais le peuple algérien. Njihnaya, homme et femme. Alors, je mets une virgule. Homme et femme. Nzid Menandi, grand et petit. Virgule. Où sera le mal de tout le peuple algérien? Qu'est-ce qu'il a fait ce peuple algérien? Sortez dans les balcons. Alors, je mets ici un indicateur de lieu. Chauffe. Naya la biha. Tout à l'heure, je vous ai demandé de la laisser. Mais là, tout à l'heure, au lieu de dire les rues, les terrasses, etc., nous avons dit les villages, les villes, etc. Donc, sortez dans les balcons. Sur les terrasses. Et dans les rues. Et dans les rues. Alors, je vais encore parler de ça. Le peuple algérien, sortez dans les rues. Alors, Anna, femme, homme et femme. Que faisaient les femmes? Alors, je dis, les femmes faisaient, AIENT, sans arrêt, par exemple, sans arrêt, les youyou, les youyou, encore avec les hommes dans les rues, il y avait les enfants, point, chefounaya, on essayait d'employer des phrases toutes simples. يعني ما تطولوش بزاف لا فراز باش ما تغلطوش pour ne pas vous tromper. Utilisez des phrases toutes simples. Les enfants couraient
AIENT avec alors on n'a pas utilisé ici la colonne هذه مازال ما استعملناهاش. Alors on dit courez joyeusement joyeusement avec leurs parents. TS. Donc là, j'ai dit joyeusement, j'ai utilisé joyeusement. La joie, le bonheur, les drapeaux. Donc, pratinahadi, on n'a pas encore employé. Hadi, c'est bon. Sortir, manifester ou la défiler, c'est la même chose, c'est bon. Il ne reste chanter, danser et crier. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tous les gens, au lieu de dire chefounaya, les Algériens, encore là, le peuple algérien, là, qu'est-ce que je dis? Tous les gens. Parce que là, on a déjà les peuples algériens, les femmes, etc. Donc, tous les gens, bien tout le monde. Tous les gens étaient heureux. Heureux ou bien contents. Alors, je mets un point. Je vous ai demandé d'utiliser ou bien d'employer des phrases simples. Alors, ils se rencontraient, les rues, les balcons et tout. Ils chantaient, ils dansaient. Voilà, ils dansaient, AINT. Il portait des drapeaux flottants au vent, flottant au vent, et il essayez juste d'imaginer la scène où Kul Haja va être facile. Et il criait Vive l'Algérie. Voilà, le temps avec l'Iranien, je rédige le paragraphe, j'imagine dans ma tête la scène. Rani avec en même temps, on écrit. Alors, le paragraphe, je peux dire, par exemple, la joie. La joie, le bonheur. La joie. La joie. Voilà. La joie était énorme. C'était un jour si particulier. Si particulier qui ne ressemblait à aucun autre jour. Voilà. يعني كان يوم مميز اللي ما يشبه حتى يوم آخر. هايلك. يعني فاصيلمون شوفوا ردنا ماشي غير باراغراف فريمون فريمون اون برودكسيون ايكريت. الوغ مينون نو افون فيني هايلك. جي بريسك امبلويي تو لو تابلو يعني كامل واش عطاولنا هنايا دون لو تابلو جي ايتيليزي. J'ai même ajouté d'autres mots et d'autres expressions.
J'ai rédigé le paragraphe. Avant de recopier sur le propre, je dois lire ce que j'ai écrit. Yani, et s'il y a quelque chose à corriger, je corrige. Donc, nous avons choisi un titre, nous avons donné plutôt un titre, le 5 juillet 1962. L'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. La grande victoire des Algériens face au colonialisme français. Une victoire qui avait coûté 1 million, alors là j'ai oublié un accent circonflexe, chauffe, 1,5 million de martyrs. Les Algériens, dans toutes les villes, tous les villages et partout en Algérie, célébraient leur indépendance. Ils défilaient la liberté de leur pays, qu'ils avaient réalisée après 1,5 siècle de colonialisme. Tout le peuple algérien, hommes et femmes, grands et petits, sortait dans les balcons, sur les terrasses et dans les rues. Les femmes faisaient sans arrêt les youyou. Les enfants couraient joyeusement avec leurs parents. Tous les gens étaient heureux. Et ils se rencontraient, ils chantaient, ils dansaient, ils portaient des drapeaux flottants au vent et ils criaient. Vive l'Algérie! La joie était énorme. C'était un jour si particulier qui ne ressemble à aucun autre jour. Là, apparemment, normalement, ça va. Yani, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier sur le propre. Je vous presque une demi-heure. Qui a tout comme la production écrite. Vous lisez la consigne, bien sûr, et essayez d'analyser les mots-clés. Par exemple, Naya, raconte, moment de la joie, l'indépendance. On va aller le tableau, dire qui m'a donné. Chefouche Andna, proposer d'autres mots, d'autres expressions. Et commencer à rédiger. Lazem tibdaou. Ghir tibdaou tikketbou. Ça vous semble un peu difficile. Mais ça, ghir tibdaou tikketbou. Yibdaou les idées djou wahedhom. Hadik, ihna atinalkoum. Par exemple, la composition, comme 2 heures. 1 heure pour la compréhension de l'écrit. Et 1 heure pour la production écrite. Donc, ketbou fi'qulkoum. Ou stralou hadik sa'a. Ou vous arrivez, inshallah, à réaliser vos productions. Alors, normalement, c'est bon pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Inch'Allah, vous nous faites comme la vidéo d'aujourd'hui. Mettez un j'aime et partage. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.